Bonjour, dames et messieurs, bienvenue dans la meilleure émission qui décortique l'actualité people d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien dans le Fafa sur Ivoire TV Musique. Surtout, restez scotchés dans vos fauteuils parce que aujourd'hui l'émission va déménager comme à pour son habitude. Recevez votre humble serviteur que je suis, Serge de Fallet, la légende vivante. Alors aujourd'hui, elle ne sera pas avec moi, elle a eu un malheur. Notre animatrice Mérite Chola a perdu son géniteur. Alors, la direction de Ivoire TV Musique de Par Ma Voix souhaite toutes les condoléances à sa famille, vraiment leur soutien moral. Et nous prions pour le repos de l'âme de son père. Alors, Chola, sois forte, on est avec toi. Et là, aujourd'hui, je suis en compagnie d'une sulfureuse, une charmante animatrice aussi, qui est très technique aussi dans son style et tout. Alors, recevez sa première entrée dans le Fafa, Cindy Le Cœur, animatrice. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons recevoir une artiste pétrie des talents. Elle a une voix suave quand elle chante. On a l'impression que les oiseaux sont comme des rossignols. Dames et messieurs, nous recevons aujourd'hui dans Fafa, Madjene Fitini. Alors, bonjour Madjene Fitini. Bonjour, comment allez-vous? Ça va super bien. Alors, Cindy Le Cœur, avant de démarrer, tu vas prendre quand même la peine de saluer nos acteurs du Fafa. Effectivement, j'attendais que je me tourne la pêche. Voilà, okay. Alors, bonjour à tous. Comme il a dit, malheureusement, Chola n'a pas pu être là aujourd'hui. Mais je suis là, j'espère que je vous ferai plaisir, voilà. Et que vous n'allez pas sentir son absence. On est avec Madjene, une très belle femme, et on verra ce qu'elle nous réserve. Oui, Madjene, elle est superbement maquillée. Voilà, merci Madjene. Beaucoup. Merci. Mais dis-nous, tu es toute belle là. Hein? C'est comment? Alors, c'est ça aussi, une artiste, faut te faire belle. Parce que les fans aussi, ça compte beaucoup. Ça compte beaucoup. Okay. Ah, d'accord. Parle-nous un peu de ton actualité. Mon actualité, actuellement, je suis en studio pour plein de singles. D'accord. Je pars en tournée Australie. Waouh. Voilà, je pars en Australie pour une tournée de un mois. Okay. Après Australie, je vais en France. Après, je vais en Allemagne. Après, Italie. Ok, tu bouges pas mal hein, du côté international. Oui, on te voit oui, un peu oui, l'actualité. Tu es actif. Chez vous là-bas, tout le monde chante là-bas. Ah hein? Ouais, tout le monde chante. Tout le monde fait la musique. Ah, mais c'est super bien, c'est super bien. Mais bon, après, bon, tu sais, dans le Fafa, c'est aussi l'actualité. Hein. Voilà, c'est pas nous de. Nous, on dit ce qui se passe un peu sur la toile. Okay. Pour que tu vois. Bon, récemment, on a vu pas mal de choses sur la toile. Beaucoup de grabuges concernant votre famille. Afou est sorti, elle pleure sur les réseaux. On dit non, que tu allais payer un blogueur pour l'insulter. Plein de choses, tu vois. Bon, nous, on aimerait quand même avoir ton point de vue dessus. En tout cas, je ne me reproche rien. D'accord. Cette histoire, je veux qu'on passe là-dessus parce que c'est une histoire familiale. Ok. On va régler ça en famille. Donc, sur tout ce grabuge, tout ce qui s'est passé, oui, toi, tu préfères. Ouais, je préfère rester ferme. Parce que quand tu sais que. Tu es innocente, mm-hmm. Tu préfères être seul le bon Dieu peut t'éclaircir. Vu que c'est sur les réseaux sociaux que l'affaire a éclaté, pourquoi ne pas parler de ça là maintenant pour tous ceux qui veulent savoir? Les réseaux sociaux, moi, ça ne m'intéresse pas trop parce que moi-même, je ne vais pas trop sur les réseaux. C'est mes managers qui vont faire mes trucs sur les réseaux sociaux. Mm-hmm. Voilà pourquoi quand ça a commencé, moi, j'ai des conseillers, j'ai des managers. C'est eux qui me disent, bon, tu peux sortir pour répondre. Ils m'ont dit, bon, c'est pas un truc. Un blogueur ne peut pas sortir pour venir et puis tout le monde va sortir. Tout le monde ne peut pas avoir la même réflexion. Exactement. Voilà. Donc moi, j'ai décidé de rester ferme dessus. On va régler ça, Inch'Allah. En fait, d'accord. Nous, c'est pourquoi nous, on te demande ça. Parce que, en fait, en vérité, si tu ne donnes pas ta version des faits, c'est comme si, tu vois, comme on le dit, on ne prend pas la moitié de la couleur, fait le sacrifice. Il y a une moitié qui a donné sa version. Maintenant, toi, la concernée, tu ne parles pas. J'ai déjà fait ma version. Hein. Ah, oui, j'ai déjà fait ma version. C'est sur l'Internet. J'ai juste juré
Okay. Bon, je veux qu'on passe dessus. Parce non, que non, pas de parlons de ta version. Parlons de ta version. Non, 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 ça va. Je ne veux pas en parler franchement, sincèrement. Tout le monde a vu, je suis sortie. Parce que moi, avant de faire un truc, j'ai un staff managérial. D'accord. Si je dois répondre ou je dois répondre, j'ai déjà fait. Quand c'est fait, parce que c'est une question de maman. Oui, parce que oui. C'est une affaire de maman. De famille. Et voilà, une mère est vraiment sacrée. Ouais. On ne joue pas avec ça. Voilà. Donc, je suis sortie pour démentir. Voilà. Okay, donc, le reste, je préfère qu'on règle ça en famille. Mais nous, c'est, en fait, nous aussi, là, c'est le but de notre démarche. Tout à nous, fait. On aimerait aussi que tu dises réellement, voilà, nous, notre but, ce n'est pas de voir une famille divisée, tout une famille fait. Déchirée. Exactement. Voilà, si les choses peuvent rentrer dans l'ordre. Inch'Allah. Voilà, notre but, c'est de même pas de ne pas exposer la famille. Tout pas à fait, du tout. Tout à fait. Alors, mais dis-nous, dans votre milieu de mandingue, là, nous, on a constaté, hein, tu sais, par moment. On a constaté qu'il y a beaucoup de rivalités entre vous là-bas. Ah bon? Bon, moi, je suis... Il faut dire que je suis la plus petite. D'accord. Parmi les grandes. Donc, en tout cas, moi, quant à moi, c'est mon respect qui va envers eux. Envers eux. Voilà. Okay. Dans chaque milieu, c'est pas facile. Mais quand tu es la plus petite, il faut avoir le respect. Malgré tout. Des grandes soeurs et des tantes, des mamans. Mais pourquoi les gens disent pas de ça de toi? Les gens disent non que tu es gonflé, non, c'est que toujours... tu penses que tu es arrivé, donc tu ne respectes pas les aînés. Pas... Nous, c'est ce qu'on entend. Si quand tu demandes, nous, on n'a pas fabriqué. Quand donc, tu demandes aux aînés, c'est à toi de nous dire. Quand tu demandes aux aînés, demande à eux tous, c'est mon respect qui est envers eux. Franchement, je ne me reconnais pas dedans. Voilà. Ah, donc dans chaque ça... chose-là, il faut qu'on te critique. Okay. Il faut qu'on te critique, il faut qu'on parle, surtout quand tu avances pour aller dans un travail. Ils n'ont pas dit quoi. Hein? Ils n'ont pas dit, c'est pas, ça n'a pas commencé par moi, ça n'a pas terminé par moi. Okay. Tous les artistes qui avancent la force, ils vont dire que tu as gonflé, tu as comme ça. Donc, en tout cas... Donc, tu penses que c'est de la calomnie, c'est pas vraiment... Voilà, c'est la calomnie. Je ne suis même pas moi-même, je suis très timide de nature. D'accord. De nature, je suis très timide, franchement. Mais notre travail là, tu vas faire comment là? Forcer, tu vas avoir problème dedans. Donc, tu es obligé d'accepter. Ok, mais il n'y a jamais eu de scène où tu as manqué de respect à quelqu'un de plus grand. Sinon, ils ont vu quoi pour dire que tu es gonflé, pour dire que tu ne respectes pas? Ils sont basés sur quoi? Bon, c'est ceux qui ne m'aiment pas qui disent que je suis gonflé, mais ceux qui m'aiment apprécient mon comportement, m'apprécient. Mm-hmm. Tu as vu, dans la vie, là, surtout la musique, là, ceux qui ne t'aiment pas, ils vont toujours parler mal de toi. Mais ceux qui t'aiment, même si tu es gonflé, là, ils ne vont pas voir ça. Ils vont dire, c'est les champions, elle a du talent, elle a ça. Mais moi-même, je sais, en âme et en conscience, mon comportement, j'ai du respect pour mes aînés. Mais alors, Madine Futini, parle-nous un peu, c'est qui le parrain? Parrain. Ah, on dit ton parrain, parce que tu chantes son nom, tout ça, il paraît que, bon, il mise fort sur toi, hein? Est-ce que c'est pas le genre des parrains des parasites? C'est parrain ou bien parrain. Il est mon parrain, il est mon grand frère, il est mon il est mon confident, il est tout pour moi. Mais l'autre côté parrain, où là. Vous voulez venir là? Non. C'est pas ça. Mais attends Serge, affaire de parrain là, on a vu sur une chaîne de télé ici qu'il y a parrain et puis il y a parrain. Donc, faut bien nous expliquer. Faut bien nous expliquer. Il y a parrain et puis il y a le parrain. C'est-à-dire que lui, il te parraine dans tous les sens. Non, pour moi, là, c'est pas tous les sens. Pour moi, c'est quand je fais ses louanges et quand j'ai mes conseils, il est toujours présent. Ah, mais Madine Futini nous a dit que tu sois lui. Hein. Non. Oui, tout le monde dit ça, mais c'est archi faux. Et je dis aussi, c'est archi faux. Parce que c'est un homme qui a trois galons, trois femmes. Ok. Je ne vais pas me voir. Mais si il a trois, tu peux faire quatre. Non. C'est toi qui es 3 et puis 4 tu vas venir. S'il y a eu 3, on dit jamais 304. Et puis on est familial, c'est un grand frère à moi. Donc vous êtes proche de ses frères. C'est tellement que le monsieur, il m'a beaucoup sollicité, les gens ont trop parlé. Les gens ont parlé parce que tellement je fais ses louanges. Dans la vie, là, quand quelqu'un te fait du bien, tu sors. Parce que c'est un homme aussi, il est politique. Bien sûr. Lui aussi, il a besoin du monde. Okay. Voilà, donc c'est pour ça, à chaque fois. Je fais ces éloges quand il le faut. Ok. Voilà. Dans toutes les choses, un homme et puis une femme ne vont pas s'unir, même si elle a envie, ils vont dire qu'il y a quelque chose. Ah, parce qu'il y a, beaucoup, vous... de, y a beaucoup de bruit de couloir. On dit non, ok, Madine Futini, elle est son parrain là. On la voit souvent. Bon, on ne sait pas s'il y a parrain dans parrain. Mais quels sont tes rapports avec ces femmes? Est-ce que ça va bien comme ça va avec ça lui? Ça va, surtout sa première femme. Elle-même, je l'appelle maman.
Même aujourd'hui, si je m'en vais chez elle, tante Ina Saratou, je vais manger tel plat, elle va préparer. Pour bon, m'attendre. Bon, là, là, il y a bon. L'émission Fafa que j'ai fait là. Mm-hmm. C'est chez lui, on a fait, puis sa femme était là. D'accord. Tu te souviens l'émission Fafa que première émission que tu as faite. Voilà, c'était chez lui, sa femme même était là. Mais est-ce que quand tu quittes chez la première femme, tu t'en chez la deuxième pour aller causer là-bas, toujours troisième. Il y a des petites complications là. Ah, c'est ça. Non, mais ça. Parce que la première, elle est première. Oui. Maintenant la rivalité là, ça avec les deux dernières. Comment tu fais? Comment je fais? Comment tu gères tout ça? Bah, il y a forcément de la jalousie qui va s'installer. Ça, c'est vrai. Ça, tu ne peux pas nous dire le contraire. Mais quand je les vois, mon respect, même dans la foule, quand je les vois où il le faut, quand je suis, par exemple, dans les baptêmes, dans les cérémonies. Pour chanter, voilà. Je chante les noms, je fais les louanges. Donc, tu fais les louanges d'elles tout en même temps. En tout cas, je suis en bas. Parce que la mère qui demande est toujours en bas. Même si je sais qu'on ne m'aime pas, même si je sais qu'on m'insulte, on me critique, quand tu les vois, c'est la femme de ton père, respecte-la. Okay. Donc, là, ce respect, c'est important. Non, nous on parlait du fait de comment tu gérais. Bon, ouais, je sais gérer. Voilà, parce que c'est là. Moi, je sais gérer. Voilà. Faut gérer. Le parrain, sois salué. Hein. Depuis ta position. C'est pas petit parrain. Donc, vu qu'on est en train de parler de parrainage, tu peux nous parler de ta vie amoureuse qui. Bon, ma vie amoureuse actuellement. Je suis célibataire. Je ne veux même pas me mettre dans le problème. Moi, je n'ai fait une idée. On est ici, là. Hein? On est venu faire émission. On a qu'à se respecter. Sincèrement, je n'ai pas sincèrement. On a qu'à se respecter. Tu n'as pas venu comme ça, avec tous tes maquillages, tous tes artifices, toute ta beauté, tes bijoux, voilà. Tout ça. Et puis, tu as dit que tu es célibataire. Voilà, et puis, tu n'as même pas de. Je n'ai pas de. Comment on appelle ça? Je n'ai pas de pointeur. Attends, les gars ont peur de toi ou bien c'est quoi? Je ne sais pas, mais moi-même là, ça n'est pas dans ma tête pour le moment. Franchement. Parce qu'il y a un temps pour ça, il y a un temps là. Tu es pressé, tu veux te marier, il y a un temps, tu es dans les affaires des gars. Mais quand tu as fait un premier mariage, et puis ça ne va pas là. Toi-même là, à un moment de la vie, tu t'assois pour calculer les choses avant de rentrer dans une relation. Oui, mais le plus important. Donc, je suis dans ce moment là pour calculer les choses d'abord. Le mari que je vais avoir là, ça serait qui? Et puis, est-ce qu'il va accepter tout ce que moi, il va m'accepter? Est-ce que moi aussi là? Ça, il faut calculer tout ça avant de te jeter dedans. Mais dans toutes les relations, ça mariage, peut ne pas marcher. Donc, je suis à mi-temps. Tu es à mi-temps? Ce n'est pas plein temps. Je suis à si tu es à mi-temps, c'est qu'il y a un gars dans un couloir. Il y a un gars sur le côté. Lui. Voilà, parce que c'est mi-temps, il y a sur le côté. C'est-à-dire que là, tu es en Konami. Ah, c'est pas le gars elle a vu avant de venir en retard. Peut-être que c'est le gars qui a parti. Je suis amie, t'as fait des relations amoureuses là. C'est ça, la durée là-bas. Alors, donc, aujourd'hui, donc, bon, pour toi, Madine Fidi, pour toi, dans le milieu mondain, bon, tu vois, on va parler de tes dévancières. Pour toi, c'est qui la meilleure? Oui, en tous sont les meilleurs. Chacun sait chanter de sa manière. Non, chacun a un talent. Toi, tu as forcément une préférence. Moi, j'ai préférence de eux tous. Parce que chacun a son talent. Tu me vois comme ça, quand je vais au studio, je veux composer une chanson. D'accord. Moi, je regarde la chanson que je veux composer. Mais tel mandingue qui peut maîtriser la chanson que moi, je veux faire là. Mm-hmm. Si tu appelles telle personne, celle qui maîtrise ce sujet-là, celle qui maîtrise... Tu as vu, chaque mandingue a un truc en lui qui a une particularité. Donc, voilà. Donc, quand moi, je rentre en donc, studio... Donc, quand tu amènes un thème, tu sais... Je dis, bon, attends, j'ai appelé telle personne. Si je l'appelle, il va m'aider à faire ça. Donc, tout le monde, dans le mandingue, chacun a un talent en lui. Mm-hmm. Voilà, qui maîtrise. Donc, tu es proche de toutes tes dévancières. Je suis proche de tout le monde, franchement. Sans exception. Oui, sans exception. Moi, tanti, moi-même, elle-même, c'est ma grande-maman, c'est ma maman. Mamie, Afou, elle, c'est ma soeur, ça, on n'en parle pas. En tout cas, tous les artistes. En tout cas. Ok, d'accord. Alors, mais qu'est-ce que tu dis si, par moment, ça peut arriver, hein. Bon, ta soeur peut te voir avec des personnes qu'elle est forte. Peut-être qu'elle en parle avec eux et tout ça. Mais comment elle peut prendre ça? Souvent, par moment, on peut dire, Afou faisait dire qu'on m'a pris cette traîne avec mes ennemis. Comment elle peut prendre ça par moment? Bon, moi, je ne peux pas traîner avec les ennemis de ma soeur. Ok. Mais je ne peux pas laisser mes relations, mes amitiés aussi. Aussi, oui. Pour ça, mais je sais comment gérer. Gérer. Mm-hmm. Voilà. D'accord. Donc, tu trouves le juste milieu. Voilà, le juste milieu pour gérer. Wow. Ce n'est pas facile, mais je ne peux pas laisser aussi mes amitiés, mes trucs. Mais en tout cas, quand on a une amitié, tu sais que vraiment, il y a une limite. Parce que c'est ma soeur. Ouais. Oui, oui. Voilà. Donc, en même temps, ça veut dire que si elle veut briser ta soeur... Tu dis, tu peux dire,
pause. Pause, oui. C'est ma soeur. Même si on se tue, pause. Parce laisse-nous nous tuer ensemble. En famille, voilà. Faut aller pour toi dedans. Donc tu protèges toujours ta soeur. Oui, je suis comme ça, de nature, même avec mes amis, je suis comme ça. Alors, bon, nous, tu sais, dans le Fafa, on a toujours des questions tenues piquantes. Tout à fait. Ah, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe réellement entre toi et puis, je vais dire, les chanteuses maliennes et tout ça, telles que Bigini. Bigini, moi-même. Camarade, là, je ne suis pas trop, trop dedans. D'accord. Affaire de Bigini, c'est venu comme ça. Parce que tu sais, j'aime écouter les chansons maliennes. Ok. J'écoute la plupart de toutes les. Souvent, même, je fais des directs avec. J'écoute les chansons maliennes. Mais la première malienne qui a cherché est rentrée en amitié avec moi. Mm-hmm. Parce que j'ai écouté sa chanson, j'étais en direct. Mm-hmm. C'est Bigini, elle n'est pas. Elle a montré qu'elle est humble, elle n'est pas gonflée. D'accord. Je suis une artiste aussi. Elle est rentrée. Voilà pourquoi. L'amitié est récente. Mais bon, à un moment, il y avait quand même un gros cafouillage entre elle et puis ta sœur. Oui, oui, donc, oui. Il y avait un gros canton. En ce moment, on était déjà des camarades. Ah, tu t'es déjà amie avec elle? Oui, on était déjà des camarades. Quand il y a eu des cafouillages, je ne me suis pas mêlée dedans. Parce que j'ai dit que c'est une histoire de sœur et camarades. Je ne me suis pas mêlée. Même son palais de la culture, je ne suis pas partie. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je ne suis pas partie. On t'a pas vu à son concert au palais de la culture. Je ne suis pas partie parce que vu que ça s'est devenu elle et ma famille, je ne suis pas partie au palais. Mais tu ne lui as pas parlé pour qu'elle puisse mettre un peu d'eau dans son vin par rapport à ta sœur. Je lui ai parlé. Bigini, c'est quelqu'un même qui ne parle pas. Okay. C'est quelqu'un qui est timide. Tu sais, quand les affaires vont sur les réseaux sociaux, chacun profite pour aggraver les bien choses. Bien sûr, pour augmenter le c'est volume. C'est ce qui s'est passé. Sinon, je lui ai dit, moi je lui parle à chaque fois. Est-ce que c'est ma sœur, elle connaît tout. Quand tu n'aimes même pas quelqu'un même là, tu ne vas pas approcher sa sœur. Ok, d'accord. Quand tu n'aimes pas quelqu'un là, même si moi-même je n'aime pas ma sœur là, je ne vais pas venir la donner... À livraison. À livraison. C'est comme elle aussi, elle a ses relations. Elle ne va pas laisser ses relations. Genre comme la rivale de Bigini, Mariamba, à cause de moi. Bien moi sûr. Aussi, je ne vais pas laisser Bigini à cause de ma relation. Mais chacun sait comment gérer. C'est comment Dieu gérer, qui c'est... connaît le cœur de chacun, c'est en tout ça. Cas. Okay, ok. Voilà. Bon, en fait, c'est vrai que je sais que tu ne veux pas trop en parler parce que c'est une histoire qui est déjà passée. Voilà. Mais c'est juste que moi, je voulais juste avoir. Bon, peut-être ton juste avis, quoi. Quand tu as vu ta sœur Afou en train de pleurer sur la toile par rapport à tout ce qui se passait, qu'est-ce qui a été ton ressenti? Bon, mon ressenti, j'ai vu que je n'ai pas aimé parce que ça ne vaut pas le coup. Ah, tu trouves que. Ça ne vaut pas le coup, c'était trop. D'accord. Je n'ai pas aimé parce que je me suis dit que c'est qu'elle ne m'aime pas vraiment. Parce que quand tu aimes ta soeur, tu ne vas pas aller pleurer pour une histoire de blogueur. Ouais. Si un blogueur te dit, ah, ta soeur est venue insulter, si c'est moi, qu'on vient me dire, ah, faut insulter, à donner l'argent au blogueur. Pour insulter ma mère, chacun a sa réaction. Un d'abord, j'allais dire, c'est sa maman. C'est la malédiction qu'elle a cherchée. Oui. Ça va tomber sur elle, je n'ai rien à voir. Ou bien je dis au blogueur, bon, blogueur, envoie-moi les preuves. On ne peut pas traiter une affaire avec quelqu'un s'il n'y a pas de conversation WhatsApp ou bien Messenger. Ou bien Messenger, donc ou bien téléphonique. Okay. Enfin, les blogueurs, ils enregistrent. Bien sûr, tout le monde. Si tu traites affaire avec quelqu'un, forcément, il va t'enregistrer. Envoie-moi ces trucs-là d'abord. Avant que je puisse me mettre dans l'affaire. Mais dès que le blogueur est sorti, 3 minutes après, Afou est sorti pour pleurer. Directement, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu de temps de non, tout pleurer. Le monde est ceux qui voulaient parler, tout le monde est sorti en même temps. Brum. Pour déverser tout. Ouais, ouais. Ça allait vite, en fait. Ça allait vite. Ouais, mais j'ai donné au bon Dieu. Je suis sortie, j'ai dit, je donne pour moi, au bon Dieu. Parce que je sais que je ne peux pas le faire. Au lieu de donner ma maman au blogueur, payer 200 000 là. Ma maman là, elle aime l'argent. Autant tu as lui donné pour prendre des décisions. Elle lui donne les 200 000 là. De la façon, elle est fâchée contre moi là. Voilà. Si elle lui donne 200 000 là, ça serait bénédiction pour moi. C'est ça. Pourquoi aller donner 200 000? Si je suis fâchée même là. C'est à vous, je dois aller donner à blogueur ou à ma maman. Mais je ne vais jamais faire ça. Ou bien. Ouais, genre, c'est avec Afou, tu as pas ça, c'est le truc d'Internet, les trucs de blogueur. Moi-même. À la fin, même le blogueur, même moi-même, pour lui, là, me fait plus mal. Mais c'est ma famille, ça m'a touché. Ils ont pris la chose. Quoi. Voilà, ça m'a touché, mais je pardonne. Ouais, parce que dans la vie, il faut pardonner. Oui. Voilà. Moi-même, quand tu parles, tu sais à quoi je pense. Moi, j'ai une de tes chansons que j'aime bien. Ça s'appelle Yerema Yermasou. Et la signification en français, qu'est-ce que ça veut dire? Yerema Yermasou, chaque chose a un temps. Ok.
Voilà. Tout est vanité sur terre. Sur terre, ok. Aimons-nous les uns et les autres. D'accord. Voilà. C'est d'accord. Un peu ça. Ça parle de ça. Parce que quand j'ai vu le problème de l'histoire, j'ai beaucoup pensé à ta chanson. Pardonnons-nous et puis aimons-nous. Parce que tout est éphémère. Sur cette terre où nous sommes. Sur cette terre. Tout est vanité. Ouais. Voilà. Alors, si à l'instant là où nous sommes, uh-huh. en face de la caméra, uh-huh. si tu as un message à porter, uh-huh. hein, uh-huh. au-delà de toutes ces choses, uh-huh. quel est le message que tu peux adresser à ta sœur, à ta maman? Le message familial qui vient de ton cœur? D'abord, j'adresse à ma maman d'abord. Ok. Je lui dis, Aïe Fama, Denou Wurubaraya Kagele. Je peux parler en français, parce que peut-être en français ça va me... Maman, excuse-moi pour tout, Maman Kumba. Denou Wurubaraya Kagele, Nindoni la Denou Wurubaraya Aïe Fama. Voilà, Nemake, Nsonta Labi, Mabwa Kalama. C'est vrai, je suis fâchée, mais ce n'est pas arrivé à ce point-là. Mais que la vérité triomphe. On a dit, Allah Ta'ala, les mamans, il y a femme, on t'a fait, il est taille doigt là. Et puis, je dis à mes fans du calme, c'est une affaire de famille. Laissons ça en famille. Si vous m'aimez vraiment, arrêtez de faire des. Je sais pas des chants des spéculations qui peut aller au niveau de ma maman chose, ouais. voilà empirer la chose qui peut aller au niveau de ma maman mm-hmm. ça va lui faire mal au niveau de ma famille si je dis ma famille j'ai une deuxième maman aussi qui est là Napiaté elle est à Paris aussi que je la salue donc arrêtez ce qui va partir au niveau de ma famille voilà je dis aux fans aussi allez me voter, je suis nommée à Primid. Mm-hmm. Allez me voter, allez sur YouTube pour aller faire beaucoup de vues. C'est ce qui est important actuellement pour votre artiste. Les problèmes familiales, laissons ça. Mm-hmm. Soutenez-moi. Je vous aime. On est ensemble. Que la paix règne. Merci. Mais madame, tu n'as pas parlé à Afou, tu as parlé à Momo seulement. Ça va aller. Merci. Alors, elle a parlé à Momo. Mm-hmm. Après, Afou, c'est j'ai parlé sa soeur. De famille. Voilà, elle a la famille, donc merci. Elle a globalisé. Je pense que déjà, il y a une main tendue, le geste est déjà bien et c'est salutaire. Merci vraiment, merci pour cette carte de tout. Okay. Alors aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu vas gagner? Le Primoud. Primoud là, mais j'ai déjà gagné. Hey, on peut être sûr comme ça. Oui. Il t'a demandé qui est la meilleure. Mola même, c'est. On a quand même Mola parce que Mola dit que c'est pas lui qui gère tout ça. C'est les votes. Les votes. Les votes, les fans même là, hein? Tout le monde sait que là, c'est moi. Mais si on donne à quelqu'un de je laisse, parce que tout le monde sait qu'en a même au conscience, là, je suis la numéro 1 de la musique maintenant actuellement. Ah, il n'y a pas match. Bon, t'as vu? Oui, il n'y a pas match. Bon, donc tu es la numéro 1 de la musique mandingue actuellement. Il n'y a pas l'homme pour toi. Il n'y a pas l'homme pour toi. Donc tu es la gote. C'est-à-dire que tous ceux qui sont dans la musique mandingue là, ils ne peuvent pas s'arrêter devant ils toi. Sont en bas. Ils sont en bas. Je suis la number one. Il n'y a pas l'homme. Ah, bon. La personne qui peut, là, il n'a qu'à se déclencher. Ah. On fait fafa. Ah, c'est un chic duel. Non, sincèrement. Ça, c'est un duel. Hein. Il n'y a pas l'homme, sincèrement. Duel des titans. Mais tu n'as pas peur, ils peuvent te lancer soi aussi. Peur de qui? C'est Dieu. Tu es dans la musique mandingue, là. On lance soi, hein. On lance soi, là-bas. Il n'y a pas peur de lancer soi. Parce que j'ai confiance en moi. Ouais. Ah. Quand tu dis que tu es numéro 1, j'ai confiance, je suis la numéro 1. Il y a problème de quel problème? Quoi problème? C'est pour okay. Moi, je connais, je suis la numéro 1. Il n'y a pas l'homme pour moi. Si la personne qui est chaude n'a qu'à sortir. Ah. Donc, tu es la meilleure chanteuse de la je musique. Je suis la meilleure chanteuse de la musique maintenant. Donc, tu vas gagner le prix. Il n'y a pas l'homme. Je dois gagner. Voilà. Bon, je pense que le message est bien passé. Est bien passé. Mais dans les Jimmy, là, quand tu fais à Talakou comme ça, tu peux prendre combien de millions? Ah, ça aussi, elle vient te dire mon argent qui est gagné. Ah, si c'est bon, là, tu vas nous mettre dedans aussi. On peut devenir diable. Moi, elle est venue choriste. Où ça tu chantes, moi, elle répond. En fait, on répondait. On répondait. Ça va aller. Bon, maintenant, dans le milieu de mon anglais, il y a des goulets 10L là. Tous les bijoux, c'est hors fatigué, fliqué. Il n'y a pas de match, il n'y a pas tant de temps. Mais bon, d'autres disent non que toi, souvent, c'est hors plaqué. Moi, je ne suis même pas trop hors, mais je vends de l'or. Ah, tu en vends aussi? Oui, j'en vends, mais je ne suis même pas trop haut parce que ça ne m'intéresse pas. Mmh. Bah, il y a vu que tu n'as pas beaucoup sur toi, de toute façon. Oui. Moi, c'est des projets que je fais. Tu n'investis pas trop dans l'or? Dans l'or, je n'investis pas trop dans l'or. Okay, donc, tu fais partie de ces chanteuses qui ont beaucoup d'or sur elles. Toi, tu n'es pas des gens. Non. Souvent, je fais dans les trucs différents. Si je suis dans les marrainages comme ça, ou bien je vais dans un truc
là, je fesse, je me mets dans ça. À part ça, j'aime me mettre dans la simplicité parce que j'ai des projets. Actuellement, je dois dans moi-même ma propre construction. Ah, c'est bien ça. Je suis à la Riviera Palmeret. C'est ça, quand tu as le bon parrain et marraine. Afin de parler, elle est venue au corps. Tu as les bons sponsors, tu as les bons sponsors. Sois salué de ta position. Ah, vraiment. Quand tu as les bons nobles là, c'est ça. Ben, Charlie, c'est pour ça que tout à l'heure. En tout cas, on dit Alhamdoulilah, bon Dieu. Qu'Allah les garde à côté de nous longtemps. Ouais. Franchement, qu'Allah leur donne longue vie dans la santé et leur donne tout ce qu'ils veulent. Parce que quand Dieu leur donne, nous, on gagne. Ouais. Voilà. Qu'Allah, ils sont embarrassants. Il y a plusieurs. Parrains, il y a les gens qui me soutiennent, il y a des sponsors, il y a des marraines. En tout cas, c'est sollicité. En tout cas, je suis beaucoup sollicité. Mais quels sont tes rapports aujourd'hui avec les autres chanteuses de la musique moderne, hormis ceux de ta catégorie, bien sûr, ceux qui ont commencé avec toi, que tu as dépassé un peu, tout ça, là, comment... Bon, ça va. On a une association même. Ah, il y a une association oui, et tout. Oui, il y a une association. On a mais une c'est association. Bien ça. Oui, ça va très bien. Il n'y a pas de palabre là-bas. Moi, je ne suis pas dans tout ça. Là. Tu sais, matin, quand moi je me réveille seulement, là, je cherche à composer le prochain morceau que je vais sortir. Mm-hmm. Je vais au studio, j'ai mon manager, il s'appelle Malik. Je dis, bon, Malik, viens, on compose ça. Donc, c'est ça seulement. Je cherche à aller toujours devant. Quoi. Mm-hmm. À celle à quoi tu as fait palabre avec la personne chante. Toi, tu chantes. Chacun n'a qu'à montrer sa compétence. Mmh. Et là, c'est pas là. C'est pas là. Mmh. Donc, c'est celui qui. En tout cas, qu'elle la facilite. Pour nous tous, franchement. Ah, c'est super top. Alors, aujourd'hui, on n'est pas censé négliger l'actualité. Mmh. Avec ce souci, ce hic qui existe entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Tout à fait. Toi, quel est ton message que tu peux porter? Parce que je sais que la musique mondaine en Côte d'Ivoire a beaucoup de fans au Mali. Oui. La musique mondaine du Mali a beaucoup de fans en Côte d'Ivoire. Il y a des similitudes. Même. Voilà, il y a des similitudes dans nos chansons. Même les Dior Romains du Mali. Tout de suite, moi, je suis quitté au Mali il n'y a pas longtemps. Avant le problème là. Mm-hmm. Je suis allée au Mali. Les Dior, une femme Dior Romain, elle écoute ma chanson. Quand elle a eu Maria dit que si le jour je me marie, c'est ma Diana qui vient. Parce que j'écoute ces chansons. Toutes ces chansons-là, il y a quelque chose, il y a des sens dedans. Mais il faut qu'il y ait mon mariage, c'est elle qui vient. Elle a pris mon billet, je suis partie, ils m'ont donné bijoux, tout, bazin, tout. Ah, ok. Les Dior Romains, c'est les riches du Mali. D'accord. Alors, quand tu es dans cette situation, quand tu vas voir, quel est le message que tu peux porter pour que la paix puisse régner dans En tout cas, je dis aux Maliens, Maliennes, la paix. Et qu'Allah donne. Qu'Allah fasse que la paix revienne et nos 46 soldats qui sont là-bas reviennent dans nos pays pour que la paix règne entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais qu'est-ce que tu penses de la sortie des mamans Aïcha Kone à travers la chanson qu'elle a faite pour Aïssimi Gota, l'interprétation des choses? Tu as venu me mettre dans le problème, mamie. Non, c'est pas le problème. C'est juste que tu donnes ton avis sur la question. On disait chacun a son choix dans la vie. Okay. C'est ce qu'elle a choisi. C'est ce qu'elle a choisi. Sinon, nous tous ici, on chante pour Ado aussi. Chacun fait son choix qu'il veut. C'est son choix, elle a choisi. Nous sommes dans nos choix. En tout cas, nous, on veut la paix. C'est ça la chose. Que la paix règne. Moi-même, bientôt, mon prochain single qui va sortir, ça va parler de l'Afrique. La paix en Afrique. Africain de nous, Wanyama doit faire Yere, yere, feko. Kona kanyami, Africain, tobe fort. Yere yere feko, yere kuronga meji la iteseke bamba e. Yere yere feko, yere kuronga meji la iteseke bamba e. Yere yere feko, ivoirien denu aima Côte d'Ivoire kele ye. Yere yere feko, malien denu aima nori kele ye wa. Yere yere feko, bembali ya so bonya, lungele tomo le, lungele tomo le, lungele tomo le. Bembali ya Zouvonya, longele tomo le, longele tomo le, longele tomo. Ça sort bientôt. Mais ça veut dire quoi pour ceux qui comprennent pas? La paix. Mm-hmm. D'accord. Les Africains aimons nos pays, aimons nous. Soyons unis. Soyons unis ensemble. Mm-hmm. Okay. Voilà. Ah, les Ivoiriens, vous avez vu la crise qui est passée en Côte d'Ivoire. Les Maliens, vous avez vu pour le Nord, le Libéria, Sénégal, un peu de tout. Je parle de l'Afrique. De l'Afrique, en fait. En fait. Donc, donnons-nous la main pour que l'Afrique soit développée de plus. J'ai préparé parler de la culture, mais je vais préparer encore. Parce que quand je... Moi, mon parler de la culture, quand je veux faire là, entrer là,
25 000, 50 000. Ah, attends. Ah. Mais donc n'est-ce pas pressé? Tu n'es pas pressé. Mais donc tu n'as pas encore affronté le bain l'habitude. Voilà. Mais il faut que bientôt, bientôt je vais affronter. Très bientôt, je vais affronter le palais de la culture. Ouais. Mais j'arrive. En tout cas, on te souhaite la réussite et le bonheur dans cet affrontement de palais l'habitude. Amina. Voilà. Amina. Alors, tu écoutes un peu le rap ivoire? Oui. Tu connais quel artiste parmi eux? Rap ivoire, c'est Suspect 95. Je le connais, je le vois. Ah, mais ça te dit pas. Avec le petit de Kedjevara. Tu vas faire un featuring avec eux, non? Oui, je dois faire un featuring, oui. Avec un jeune rap ivoire. Oui. Avec rap ivoire, même coupé décalé. Allez, tout ça. Ouais, même Zouglou, okay. Je dois faire collaboration avec Siro. Voilà, parce qu'il faut colorer un peu. Tout à fait, tout à fait. Changer un peu, pour les fans. Pour apporter une nouvelle touche à tout ce style-là. Inch'Allah. C'est bon. Alors, notre émission va bientôt tirer à sa fin. Oui. On voulait vraiment aller au-delà, parce qu'on sait que tu as beaucoup de choses à dire, tu vois. Oui. Donc, et le nouvel album, c'est pour quand? C'est pour très bientôt, après mes tournées. Après les tournées, combien de titres à peu près? 10 titres. Hein. 10 titres. 10 titres, alors, ok. Mm. Mais alors, quel est le message que tu veux passer à tes fans pour leur dire à quoi ils doivent s'attendre? Ils doivent s'attendre à une nouvelle Madjene. Mm. Ce n'est plus Madjene Fitini, c'est devenu Madjene Grande. Mm-hmm. Ouais, voilà. Bah, Fitini, donc tu as grandi. La grande, la diva, l'intouchable. Ah. Donc, je dis à mes fans que j'arrive avec du lourd. Allez voter pour moi après midi-là. Mm-hmm. Allez voter. Allez me donner des millions sur YouTube. Je vous adore. Je suis à votre disposition. On est ensemble. Je vous aime. Merci. Mais il y a une petite question à laquelle tu n'as pas répondu. Uh-huh. Il a demandé, quand tu fais les prestations dans les différentes cérémonies, ça fait combien comme ça? Juste une idée. Ça aussi, il est venu dire. Une idée. Il ne peut pas dire. Ton salaire, il voit TV Musique, c'est quoi? Non. C'est ton salaire. Il faut gâter le nom du jeu. Il faut gâter le nom des braillots. Les gens viennent te trouver ici. Non, c'est pour rigoler. Mon salaire, il ne peut pas dire. Rassure-toi dessus. Ça va aller. Alors, Madjene Fitini, aujourd'hui, Fafa, on est très content de te recevoir. Merci. C'est vrai qu'on a vu tout ce qui s'est passé ces deux jours-ci, beaucoup de secousses, beaucoup de. Voilà. Et bon, je pense que tu as mis la balle à la terre, les choses vont aller de plus belles. Inch'Allah. Nous, c'est ce qu'on souhaite. Inch'Allah. On n'aime pas voir des familles divisées quand les familles sont ensemble réunies. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très intéressant. Donc, voilà. Allez, voter. Allez, voter devant Kata. Allez, voter les cabetches. Inch'Allah. Que le meilleur gagne. Notre émission tire bientôt sa fin. Donc, on va demander ton mot de fin à toutes tes fans. Ce que tu penses. Bon, voilà. Je dis à mes fans que je les aime. Ceux qui sont sur les réseaux sociaux, de rester discrets, de ne pas faire attaquer les autres, de ne pas déranger les autres fans des autres artistes. Si tu m'aimes vraiment, franchement, occupe-toi de moi et mes programmes sur l'Internet. Voilà, et ceux qui veulent aller sur l'eau, pardonnez, n'allez pas sur le bateau, s'il vous plaît. Hein? La vie de l'être humain, là, ça coûte cher. Akana tajika, aïe alamakono, alamakono djon, wallahi, otenimisa. Voilà. Parce que ce phénomène-là, c'est voilà, vraiment... surtout c'est la jeunesse. Moi, mes femmes, beaucoup de mes femmes, c'est la jeunesse. Mm-hmm. Donc, restons sages, ça va aller un jour. Mm-hmm. Voilà, Inch'Allah. Qu'Allah facilite tous vos projets. Je vous aime. Alors, merci, Madjene Fitini. Mmh. Notre émission tire à sa fin. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis les quatre coins du monde. Mmh. Merci surtout, big up à Franck Mian, le jeune riche industriel. Merci aussi à Kangala, le berger. Big up à Aboudia, le peintre. Big up, Aboudia, on est ensemble. Sans oublier, Cra de Paris, habilleur de luxe, bien sûr. Surtout, merci de nous retrouver tous les week-ends ensemble. N'oubliez pas du côté du Saphir, au Terminus 81-82 pour vos VSD. Vendredi, soirée Back to Life. Samedi, on est encore lancé. Et dimanche, la Rumba climatisée, ça se fait du côté du Saphir, au Terminus 81-82. Retrouvez votre humble serviteur que je suis. On se donne rendez-vous là-bas tous les week-ends. Merci à tous et à toutes pour les partages. Et big up et sortez toujours couverts. Prenez soin de vous et condoléances encore à la grande famille. Chola, on est ensemble. On te soutient, sois forte, que Dieu vous garde, que Dieu te bénisse. On est ensemble. Merci beaucoup. Merci, Voix TV.